Bonjour à tous et bienvenue sur Généalogie pratique pour une nouvelle fiche pratique en vidéo. Dans des vidéos précédentes, nous avons vu comment exporter votre arbre généalogique dans un fichier GEDCOM à partir de votre logiciel. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser ce fichier GEDCOM pour créer votre arbre généalogique sur le site Généanet. En bonus, nous allons voir que si vous avez déjà créé votre arbre généalogique sur Généanet, vous pouvez utiliser votre fichier GEDCOM pour mettre à jour votre arbre. Donc, voici comment importer votre fichier GEDCOM sur le site Généanet. Voilà, nous nous retrouvons sur le site Généanet. Comme toujours, la première étape consiste à s'identifier, à se connecter à votre compte. Donc, sur Généanet, ça se passe en haut à droite. Vous avez un bouton Connectez-vous et ensuite vous rentrez votre identifiant et votre mot de passe. Une fois cette opération terminée, si vous n'avez pas d'arbre, vous allez voir cette première page où vous avez la possibilité de commencer votre arbre en saisissant directement premièrement vous et ensuite votre père et votre mère si vous voulez faire votre généalogie. Mais vous avez aussi un lien qui est ici qui vous permet d'envoyer un premier fichier GEDCOM pour créer votre arbre sur Généanet. Personnellement, moi j'ai pris l'habitude de plutôt passer par le menu, ma généalogie, envoyer un GEDCOM parce que c'est par ici que ensuite vous allez mettre à jour. Donc autant prendre l'habitude dès le début. Donc en cliquant sur cet envoyer un GEDCOM, on arrive sur la page d'envoi. En fait, ici, il suffit simplement d'aller chercher votre fichier GEDCOM sur votre disque dur. Donc je clique ici. J'ai mis un petit fichier GEDCOM de démonstration sur mon disque dur. C'est un fichier qui s'appelle Arbre de test. Je fais ouvrir. Il se retrouve ici avec une extension .ged qui est l'identifiant d'un fichier GEDCOM. Donc c'est, pour le moment, tout va bien. Et maintenant, il suffit juste d'appuyer sur le bouton Envoyer. Vous allez voir, c'est vraiment très rapide. Information légale, donc ça c'est quelque chose qu'il faut apparemment remplir pour Généanet. Donc j'ai rempli mon adresse, j'appuie sur le bouton poursuivre et maintenant l'import en lui-même se fait. Vous allez voir, c'est vraiment très rapide. Et maintenant j'ai une petite phase de configuration de mon arbre, donc là je vais pas chercher à aller très loin. Je vais cacher les contemporains, les personnes qui sont encore vivantes, qui peuvent apparaître dans mon arbre. Moi, j'ai toujours pris l'habitude de choisir contemporain privé. Et ensuite, je valide. Et donc, voici l'arbre que je viens d'envoyer sur Généanet. On voit que tout est bien en place avec les différents événements qui sont attachés à une personne. Donc là, vous avez la vue arbre et ensuite, vous pouvez aller voir les mêmes informations sur la vue fiche. Deuxième cas de figure, vous avez déjà votre arbre sur Généanet. Donc là, on voit que nous avons un arbre. Mais comme vous utilisez un logiciel de généalogie sur votre ordinateur, bien entendu, au fil des découvertes, votre généalogie sur votre ordinateur va être bien plus complète que votre arbre sur Généanet. Donc vous allez vouloir mettre à jour votre arbre Généanet. Et ça, ben ça se fait tout simplement par l'envoi d'un nouveau fichier GEDCOM. Donc comment mettre à jour votre arbre Généanet par fichier GEDCOM? Eh bien, on prend exactement le même chemin, ma généalogie, envoyer un GEDCOM. Et ensuite, nous avons exactement les mêmes opérations à effectuer, choisir son fichier GEDCOM sur son disque dur et bien penser à garder l'option remplacer l'arbre. Et ensuite, vous avez juste à cliquer sur envoyer et le tour est joué. Cette fiche pratique est maintenant terminée. Vous savez comment importer un premier fichier GEDCOM pour créer votre arbre sur Généanet. Vous savez aussi comment mettre à jour cet arbre sur Généanet en important un nouveau fichier GEDCOM. Je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle fiche pratique en vidéo.